It all comes down to this. The Olympic Stadium is absolutely packed tonight for this very important race. So much intense preparation by these athletes. And here come the swimmers now. There's the American. He seems unstoppable. And here comes the South African, Chad Leclerc. It's unbelievable. Leclerc is going to touch. He's taken gold. Chad! Unbelievable! Oh, don't break you out, boy. Future Life, the new choice of champions. Unbelievable! Mes téléspectateurs, merci Madame Constant, merci parce que vous accueillez nous la caillou pour que nous portions le meilleur de ça que vous avez. Qu'on est comme citoyen, comme monde qui peut permettre que vous vivez bien, ou construisez la vie autour sous de bonnes pierres. Alors, ce qui est important dans la vie, c'est que l'eau à manger. Ou bien le wap font bagay, ou faire la partie de connaissance, ou pas faire la base de ignorance. Alors, papa m'a toujours dit, un homme averti en vaut deux. Et puis, c'est là de vouloir, que moi voulais que nous vaut des mounes, l'on peut prendre une décision qui s'en va le manger. Alors, c'est pour ça que nous avons fait plusieurs semaines là, depuis avant Noël, nous commençons sous domaine de nutrition et pour comprendre les éléments nutritifs de façon qu'on mange d'une façon calculée et qu'on fait des choix qui sont meilleur pour notre santé que pour nous juste prendre ça nous joindre ça nous ouais comprendre alors pour nous penser tout dans des bagages obligé mettre le manger pour le grand bon goût c'est comme nous te parlé de graisse toute graisse qui ne font pas la température de la pièce n'est pas une bonne graisse okay. En parlant de la pâte de tomate c'est une chose très importante parce que c'est un anticancéreux surtout pour les gens pour la prostate pour le côté masculin okay. Alors c'est pour ça nous pas jamais t'as manger assez de tomates pour ta combattre cancer et prostate ou cancer et cancer vaginal cancer ça yo nous pas surtout prostate là et c'est meilleure façon pour combattre c'est pour manger pâte de tomate là qui ont une haute proportion de tomate pas cuillerée de pâte de tomate alors c'est pour ça nous encourageons vous mettez pâte de tomate à manger là et puis mettez l'ail mettez en pile l'ail mettez thym mettez culotté épices nous gars céleri juste permettre me poser une question. Est-ce que dans le processus de raffinerie, tomate là, pas vienne perdu dans valeur, dans capacité que t'as gagné? Tomate là pas raffiné. Côté tomate là raffiné, c'est le ketchup là raffiné. Ok. La pâte tomate là, il pas raffiné. La tomate en cube là, la boîte là, la canette oui. Là, il pas raffiné. Côté tomate la raffinée, c'est le ketchup là que le raffiné. Alors c'est là où les sauces tomate là. Alors pour qui ça a raffiné, ou well, tomate là pas même épaisseur, pas même bagarre, il est plus liquide. Et puis en plus de ça tout, et si le gontier épaisseur là dans le sous-lit, sous bouteille là, ou après que grand sucre ou auto, grand tomate c'est vrai, il grand sucre. Ligan sirop maï, ligan monoglucosomate MSG là-dedans. Ça, c'est MSG, c'est li qu'on joigne la cube, la kiblo qu'on mette la manger pour faire sauce là. Alors, ce sont des choses qui stimulent le goût, mais ce sont des produits chimiques très sérieux, en ce sens que ce sont des produits chimiques qui contrastent. Les veines et contraste le corps. Ou pour aller souvent, on mange qui gagne pile magui, ou bien même si on mange à été très très bon, ou bien manger à gain magui, un petit crasse, un petit bout, un petit pas gain. Depuis le gain là-dedans, dans des mounes et plusieurs mounes, bouche ou vine comme ça, nous sentons lent, ou comme ça, quand ça a serré, comme nous sentons une sensation qu'on soif, ou bien on sent le corps serré, comme nous sentons une sensation comme ça, on fatigue. Et puis, quand on prend le bois ou bagaille, pour faire manger à descendre. Ou quand nous bagaille, pas besoin de faire manger à descendre parce que c'est pas comme d'être obligé de fatra, là où rigole et où je veux de l'eau pour faire descendre. Non, parce que si tu as mangé comme il faut, des choses, une nourriture balancée avec des choses qui sont assez humidifiées, un pourcentage d'humidité dedans, alors on pourra naturellement recevoir et un pourcentage d'humidité de liquide que tu es supposé de recevoir. Quand tu as fini de manger, tu bois quelque chose, pas pour laver la chose, parce que tu vas avoir une soif, pour augmenter le liquide dans ton corps si tu n'avais pas bu avant. Moi, quand des fois, on finit de manger, on n'a pas besoin de boire un paquet de boire parce que ça étire l'estomac, puis ça fait mal, surtout à les points en dessous des côtes. Alors, ce qui est important, Kouya, là, nous pourrons gérer question pour essayer, qui genre de plusieurs façons que pour manger. Dans des fois, dans des mondes qui pas grand temps, ils oublient pas grand temps pour manger le matin, pas grand temps, parce que à cause de Timouno, et puis c'est comme d'adou, c'est fait la peine, ça y a pas Timouno, et pas Timouno assez manger, son bagage bien vite, tu pas Timouno manger. Alors, c'est important que, ouais, pas Timouno, bah, manger bien vite.
Oui, ou bal ou bal manger bien vite, mais ça le manger à qui va le gagner. Alors ça n'a pas cherché kounya là, ce sont des nourritures qui sont naturelles, qui ne sont pas raffinées et qui sont comme en anglais on dit raw carbohydrate. Ça veut dire que ce sont des carbohydrates comme tu joins ni la cassave là, comme ou joins ni la doukounou hein, ou joins ni la kilo de bagaille que ne fait yo et coq gragé à ou joindre l'eau fait petite tablette coq là qu'on acheté là Saint-Jean c'est bagaille ça parce que bah elle a l'eau état naturel mais il a eu subi une transformation pour que ça soit consommé sans qu'on soit obligé cuite. Alors je cherche permettre de conservation en tout bien pas supposé parce que l'eau pour un bagaille ou mettel ou boucanel la durée, nous avons qu'on ait une tablette noire, moi-même m'acheter tablette noire ici, dernière fois, mon mallette plein, grosse ça, tablette noire, m'porter le dernier monde autour de moi, joindre deux tablettes noires comme partie des cadeaux de Noël, yo, et comme petite chose que l'homme tout m'porter bayo, et puis petit garçon m'a joindre un bon sac, que la grignoter là jusqu'à ce que me tourne encore pour m'porter l'autre bali. Alors tablette noire à conserver parce que l'y passe l'antisucre. Et puis, il passe dans la chaudière qui font une cuisson. Et puis, tablette et noix gruyère, passe dans la gruyère. Pas besoin de rien d'autre. Oui, parce que là, il n'y a pas de produit chimique. Il n'y a rien qui transforme. Donc, il n'y a pas de produit raffiné, vrai. Il n'y a pas de produit raffiné, c'est un produit transformé. Et il n'y a pas besoin de produit chimique pour faire vivre plus longtemps. Il n'y a pas besoin de produit chimique là pour faire vivre plus longtemps sous étagère du tout. Parce que ni fois un produit à vivre plus longtemps sur étagère, il y a plus de produits chimiques là-dedans, ça veut dire qu'il est moins bon pour la santé. Oui. Tant qu'on va aller au chita dans le marché à vitam et ténam, ou bien qu'il y a tout côté qui n'a pas de date sur lui, il n'est pas bon. Alors, quand là, ça n'a pas cherché, c'est pour nous manger des repas réguliers. Et puis, en plus de ça, pour nous ka balancer le repas, nous, pour nous rendre tous les produits nutritionnels là-dedans. Okay. Bon, repas fonctionnel là, ça lié. Son manger qui est déjà préparé, mais qui transformait qu'on a juste mélangé la glo qu'on prend. Si on prend Samsam, ça son produit qui transformé. Là, il est difficile, là, on peut prendre Samsam là pour parler, on a tout fait avec, on va prendre lui pour manger, il faut chita, assurer que tu vas manger, que le grand de l'autre côté, le bail, ça y est là. Mais si on prend Samsam, on mélange la glette, et puis après ça, ou boile. Ou son repas fonctionnel li vini. Oui. Parce que sans là, li gan plus nos valeurs nutritives là-dedans que quoi d'autre qu'on pral bati moun nan qui sorti l'on sac avec un paquet de bagages sous li, vous comprenez? Okay. Il faut dans bouche. Donc est-ce qu'on capable de établir pour nous différence qui gagne là entre un produit raffiné et un produit transformé? Un produit raffiné, disons ma bon premier indice. Ou mettez l'en bouchou, li fond. Li fond, gon gres là-dedans, comprendre? Et puis produit raffiné à tout l'or gardel ou comme dado, c'est comme de craser, c'est poussière seulement joindre, okay. Comprendre? Okay. Disons prend cassave là, son produit transformé, c'est pas un produit raffiné. L'or craser ou joindre tout ce morceau bout là-dedans. Ou prend couche là, son produit transformé, c'est pas un produit raffiné. Même bagaille là. Ou prend mettons véritable bouillie, vous comprendre? Même bagaille là. Maintenant l'or prend farine pomme de terre. Ça, son produit raffiné que lié. Donc, même j'en tout, si tu as pris un cassave l'ordia, li ta vin nan yeta lait en poudre qui nan boîte là, le sal pas pour produit transformé, la vin nan produit raffiné. Raffiné. Ok. Maintenant, kou yon la, sou pran farine maïs, alors, farine maïs qui j'aime là, qui fait farine, qui okay. Vin presque blanc, mais li gonti jaunat là dedans. Oui. Ça, son, mais que li fin, ça, son produit. Qui transformer les pour un produit qui raffiné. Alors premièrement pour nous dire de un produit que son produit raffiné, faut le subir de transformation chimique. De subir une transformation que le perdu état naturel. Perdu état naturel. Tant comme dado l'or prend ou fait la bouillie blé a ou se fait la bouillie blé a ou passer le blender ou manger là avec toute ma son produit transformé. OK. Quand on fait la bouillie blé a ou passer dans blender, ou passer dans passoire une fois, ou passer dans passoire deux fois, ou retirer toute malade. Ça, par son produit raffiné. D'accord. Parce que là, tu as enlevé les valeurs nutritives, tu as enlevé les fibres alimentaires, tu as enlevé les éléments que bon Dieu fait, mettez là-dedans, là, qui l'ont mangé en entier, les bons pour quoi. Ok, d'accord. Alors là, c'est la différence. D'accord.
Alors là, nous-mêmes en Haïti, généralement, nous avons des produits transformés. L'on prend confiture chadec là, son produit transformé. On prend confiture goyave là, son produit transformé. On prend pâte goyave là, son produit transformé. Qu'on y a alors prend gelé goyave là, ou un produit raffiné. Ok. Vous comprenez? Ou un produit raffiné parce que l'état du produit ne peut plus se voir. C'est allé complètement. Oui, parce que là, ça, ou pas ouais graine goyave là, ou pas ouais couleur pour goyave là là-dedans. Ou pas ouais pâte, ou pas ouais ma goyave là. Goyave là, t'es verte, il était jaune. Par contre, geléa, ou elle, les rouges. Les rouges. Ok, donc, les vins raffinés. Les vins raffinés. Et puis, quand il y a là, gelé goyave là, nous remet l'ol clair. Vous comprenez, pas gros que maladan. Ça, c'est le produit raffiné. Quand il y a qui conséquence, qui problème, qui ça nous capable d'élever comme. Différence qui gagne entre consommation produit raffiné et consommation produit transformé. Alors ça nous dit nous-mêmes là-bas et que nous dit dans le monde et que peut-être Haïti nous besoin commencer à dire tout, c'est que produit raffiné, vous comprenez, dit bon la bouche, oui, dit bon la bouche. Tant comme ta dou là et si dit bon la bouche, mais c'est pas on manger qu'on ca manger tous les jours parce que n'est pas bon pour vous. C'est où elle est où sometimes food. Oui. Sometimes food means, ça veut dire que des fois, à la rigueur, tu vas manger ça. Okay. Mais une fois par semaine n'est plus un sometimes food. Il vient tomber un programme régulier. Oui, son habitude. Son habitude. Sometimes food, là, c'est peut-être une fois en mois. Comme moi-même, là, je bois Coca-Cola ou bien je bois café. C'est sometimes, parce que je dois prendre Coca. Comme d'adou, peut-être une fois chaque 3-4 mois, je ne sais pas, mais c'est à la rigueur que je prends. Okay. Et c'est l'homme qui me prend à la rigueur, c'est parce que comme je me crase net, je me fais un bagage pour remonter de façon que je me prends un autre bagage pour quimber. Alors c'est comme si d'adou, je prends le claps, je prends. Mais ce n'est pas un bagage que je prends tout le temps et que je ne peux pas fonctionner sans lui. Alors c'est stimulant pour moi, je viens comme addicté, c'est comme une drogue pour moi. Entre autres, en parlant du coca, quand tu mets, il y a des expériences qui sont faites, mettez-les sur Internet là, ou pour un verre, ou mettez coca là-dedans, et puis vous mettez un clou là-dedans. Quittez-le pour à peu près 3 jours, à une semaine ou après, clou à fond. Si coca a fond clou, hein, mon Dieu Seigneur Jésus, là dans l'estomac, qui l'autre bagaille l'a crasé pour moi? Alors c'est là la chose. Maintenant, on prend une plante. Ça, ce sont des expériences que les expérimentations que les enfants font à l'école. Timouna préparatoire 2, élémentaire 2. On prend une plante. Ou la terre, ou ouzez chaque jour avec coca. Et vous prenez l'autre plante, ou ouzez chaque jour avec de l'eau. Okay. Vous pouvez regarder croissance. Oui, évolution chaque plante. Chaque plante, ça est complètement différent. Okay. Okay. Alors, on a prévenu sous conclusion. Donc, c'est pour dire que même si c'est si pour plante là, ou bien pour clou à qui en faire. Les produits de effet si négatif oui, donc ouais. Pour corps humain même qui constitué de zoo et puis chair oui, ouais. C'est encore plus grave oui, oui. C'est non. À se demander c'est à se demander oui bon c'est à se demander. Alors là vu que bah, ça existait c'est un bah, qui t'a un sometimes food tant que maman quand t'es comme bonne un petit goutte et une fois par semaine c'était le dimanche et pas qu'à dire c'est tous les dimanches régulièrement c'était quand même assez souvent je me souviens de ça parce que moi bouteille cola sous table là vous comprenez mais c'est comme de tout à un paquet de bouteille cola oh non il va te monter table là facile. Alors ça voulait dire nous là c'est que au lieu qu'on pas manger c'est avoir des nourritures fonctionnelles. Les nourritures fonctionnelles sont une nourriture qui remplaçait le plat repas. Il y en a plusieurs nourritures fonctionnelles sur le marché comme le Ensure. C'est une nourriture fonctionnelle, ça remplace une nourriture au complet. Mais une bouteille un chou la petite comme ça, mais c'est proportion alimentaire là. Ça coûte 114 gouttes. Alors 114 gouttes, c'est en pile pour un seul monde manger. Carrément. Alors ça m'a dit là nous ouais $2.80 haïtien. Bah faut le dollar haïtien n'existe pas hein. C'est la goutte qui existe. Okay. Le dollar haïtien, c'est un camouflage, c'est un camoufage, c'est un sabotage pour que nous ne comprenions pas que c'est 114 gouttes que nous avons dépensé. Nous disons 22. Ah, pas plus loin, juste 22. 22. Non, c'est 114 gouttes, 22 n'a pas existé. Alors, selon la banque, ou pas grand 22, oui. C'est 114 pour gagner. C'est un goutte que dit. Alors, ça m'a dit là vraiment, c'est que pour arriver à une nourriture fonctionnelle, la Future Life va faire en Haïti un produit qui va être fait à base de produits haïtiens comme notre maïs, notre pitimi, notre soya. Nous parlons de soya, nous avons gagné à travers l'Université Illinois et c'est un Suédois qui est, M. le Dr Douillon, qui est
un doyen, un grand chef à l'université de Illinois qui développe et qui étudie, qui travaille sur le soya, même pour le USAID, pour le soya de USAID. Alors, ce sont des gens reconnus mondial et c'est quelqu'un des CAI. Alors là, c'est lui qui va venir nous donner le support pour développer le soya dans le sud et on est déjà en contact avec lui. On juste attend qu'on est prêt pour démarrer. Il sait qu'on a besoin de lui. Et nous-mêmes, nous avons besoin de lui. Alors, cette nourriture fonctionnelle que la compagnie Future Lab va faire dans le sud va s'appeler la Future Life. Le produit va s'appeler le Future Life. Et la compagnie va s'appeler la Future Life. Alors, dans le Future Life, quand tu prends une portion, tu vas avoir 20% d'énergie, 20% de protéines, et tu vas avoir tes oméga, tes graisses, des 12 vitamines, tu vas avoir 50% des prérequis de vitamines. Alors, c'est des pourcentages qui sera surplus par rapport au pourcentage des autres produits, peut-être? Non. Par exemple, c'est 20% de plus d'énergie, ou bien est-ce que c'est 20% d'énergie correctement dans Future Life? Alors, dans le produit, ça, qui peut être fait en Haïti, après, il y a 20% d'énergie, après, il y a 20% de protéines, ou bien est-ce que c'est 20% en plus par rapport à l'autre produit? OK. En ce sens que, quand tu prends le Future Life, mettons, tu prends un mélange de ça, tu reçois 50% des 12 vitamines qui sont prérequis. OK. Alors, ça veut dire que ou déjà manger moitié quantité de vitamines qu'on supposait manger pour toute journée pour un monde qui est en forme, soit fait supplément alimentaire ou bien soit fait nourriture. Comprends? Okay. Alors, ça qui veut dire qu'il te reste 50% dans les autres repas. Comprends-tu? Okay. Alors, il y a plusieurs personnes qui me demandent comment baisser leur vente, comment si, comment ça. Alors, je vais donner, plus devant, là, je vais avoir des menus où sont qu'à manger matin, midi, soir, sur une période de 6 semaines, et avec des exercices le matin à 5h45, nous pourrons le faire qu'on est là, on pourra commencer, et puis tu fais ça pendant ces 6 semaines, tu devrais avoir un beau petit ventre et avoir les fesses bien belles et bien rondes réduire les graisses dans les places où ce n'est pas nécessaire ou qui va te déranger, soit pour tes activités ou pour le fonctionnement de ton corps. Okay. Alors là, tu cherches une nourriture fonctionnelle au lieu de pas manger, qui est haut en fibres, qui est faible en index glycémique et aussi qui est vraiment vite et convenient pour utiliser. Ça veut dire qu'on peut juste mélanger la athlète ou bien mélanger la de l'eau et puis ou mettre l'eau en bouteille ou sous elle et vous juste boire. Et l'eau fine boire, ou c'est comme si tu as mangé un plat repas. Okay. Mettons nous pour comparer ça avec qui quantité manger que you moon en valeur nutritive you repas. Okay. Alors disons que on prend 50 grammes de produits Future Life là, il pas encore sur le marché. Nous pour le faire mouler en premier dans à peu près 2-3 mois pour commencer, il prend 9 mois pour finir et puis après ça nous pour tomber sur l'autre étape là, mais en attendant le produit Future Life va être sur le marché pour être vendu à l'haïtien, mais ça va être un produit de l'Afrique du Sud en attendant qu'on fait le produit au CAI. Okay. Nous pas mener produit Afrique du Sud pour mettre dans sac ici, non, pas jamais faire comme aucun comme ça. Oui, nous, c'est là la fête, c'est là la mettre dans boîte. Là nous pour sortir de l'Afrique du Sud pour le rendre disponible à l'haïtien pour que on commence à se remettre en forme. Eh bien ça va être écrit dessus l'Afrique du Sud. Okay. Quand et ça va être écrit Future Life SA. SA. Quand ça va être le produit haïtien, ça va écrire Future Life Haïti. Le Future Life Haïti, l'on va travailler là-dedans, c'est comme si c'est selon laboratoire où on travaille, ce sont des cas très exigeants. Ce sont des gens qui ont besoin de dormir la journée, le travail, ou pas comme moi, rien du tout, non, on ne peut pas y s'habiter. En tout cas, l'on prend 50 grammes de Future Life qui est mélangé, vous jouez 200 calories. Et puis, c'est comme si une dadou t'a mangé une quantité de, c'est comme si t'as mangé, 4 bols et demi du riz. C'est ça, l'Ita vle dit. L'Ibou joint 30 grammes de hydrates de carbone, ou joint 9 grammes de protéines, ou joint 7 grammes de graisse. On a besoin d'une bonne graisse pour le corps. Et puis, il y a ces hauts avec 13 vitamines, 12 minéraux, et c'est très haut en oméga 3. Le oméga 3, 6, 9, c'est très bon pour le cerveau. Alors,
Kounya là, si pour ta besoin pour ta remplacer ça comme ça son repas complet. Si tu as décidé bon brancher son repas complet pour soit pour ta manger. Bam 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 ça pour ta manger. Pour ta pour ta manger 40 g de farine de maïs, 60 g de les légumes qui cuit. Et puis faut ta manger 45 g de soya, 60 g de du riz qui cuit et 60 g de légumes. OK, c'est ça c'est une ou l'autre. Et c'est faut ta manger tout ça. Ou bien tu as mangé 40 g de pois cuit et pour ta manger 60 g de maïs, 60 g de légumes verts. Donc ça c'est pour ta manger un repas qui complet. Qui pour ta manger un repas qui complet et que qui résumé en produit ça que Future Life lui va le présenter. Non, qui résumé en moins que ça parce okay. Que tandis que sous manger ça, tout manger tout ça ou joindre 167 calories, la Future Life là pour 50 g seulement de Future Life là ou joindre 200 calories. Ou joindre 5 g de bonne graisse pour ton système. L'emploi ou joigne seulement 1.1 g, l'en soya ou joigne seulement 4 g parce que l'en deux repas ça yo, ce qui veut dire que l'on besoin manger ou manger complet ou ce qu'on appelle un manger fonctionnel ou aller chercher ou manger fonctionnel et nous même dans futur la faire nous pour le faire dans sud là ou toute république là nous pour proposer à la population un manger qui fonctionnel. Un manger fonctionnel que là-dedans la capable joindre alors 30 g de hydrate de carbone, 9 g de protéines, 5 g de potassium et 12 g de vitamines, alors de haut niveau et puis 12 g de minéraux. Oui oui. Donc alors, en dans ce produit Future Life là que n'a bien pour nous proposer ou bien faire en Haïti là, n'a besoin tout ça au contrairement à les monde manger 45 g soya, 60 g. Alors surtout le matin, parlant des enfants. Le matin, c'est très important que l'enfant ait une nourriture très nutritive de façon qu'il est capable d'opérer à l'école. Okay. Si vous n'êtes pas à l'école, vous n'avez pas quitté la depuis 7h, 7h30, c'est jusqu'à 2h à tourner la caille. Okay. Si vous n'arrivez, quand vous connaissez certaines écoles privées que vous si vous n'avez pas disposé l'école, parce que y a grand goût. Alors, l'important, c'est de pouvoir bien nourrir ses enfants de façon avec quelque chose assez facile. Vous avez besoin d'un cuisinier qui travaille depuis 5 heures dans la cuisine pour faire qui pas facile. Qui pas facile. Qui pas facile. Et puis, en plus de ça, avec un coût extraordinaire. Donc, alors, ce qui veut dire. Parce que, normalement, là, pour t'apprendre 40 g de pois cuit, 60 g de maïs, 60 g de légumes verts, là, très coûteux. Oui, oui. Et puis, qui sont prêts à jeûner là-dedans? Vous avez besoin de 3 g de hydrate de carbone, 6.1 g de protéines pour citer ça seulement. Et pour acheter un petit produit là, et que là-dedans, vous avez besoin de 30 g de hydrate de carbone, contrairement à 3 g où vous avez besoin de 40 g maïs, 60 g, et puis vous avez besoin de 9 g de protéines. Donc, carrément, c'est une recherche de référence. Oui. Alors, référence. Important pour voir que produit qui prend là-dedans l'eau, base produit ça sorti Haïti. Okay. Il y a des choses qu'on ne fait pas, on ne fait pas les vitamines, on ne fait pas les minéraux extra, on fait pas ces choses-là. On a des graisses en Haïti et comme la graisse de palmier, mais on n'a pas encore récolté ça d'une façon organisée, comprends-tu? Alors ces choses-là vont venir de l'étranger, même pour le produit de l'Afrique du Sud, ces choses-là viennent des pays où c'est meilleur, comprends-tu? Oui. Alors pour Haïti, ça va être les mêmes choses, mais par contre le maïs, le soya, le pitimi, le duri, tout ça peut être là-dedans pour aller sortir dans le pays. Maintenant, nous-mêmes là, nous suggérer un repas par jour pour garantir un supplément nutritionnel fonctionnel au moins à 50%. Bon, alors déjà, on a besoin de rentrer pour du ça, sinon on a besoin de construction de compagnie. C'est pral bon pour le sud déjà. Alors, avec espoir que tout ça qui est écrit là, yo, c'est des bagages qui respectés, qui vérifiables. Donc, déjà, c'est quelque chose qu'on doit attendre. Oui, définitivement. Ouais. La bonne chose aussi, plus devant, on parlera l'effet. Il y a beaucoup de recherches sur les diabètes, sur le cœur et tout ça. Ce produit-là est reconnu par la Société des diabètes, reconnu, c'est le Canada qui a choisi ce produit-là, reconnu pour les cas de cancer et les cas de HIV. Alors, vous parlez du Future Life. Okay. Et que quand tu es malade et tu prends aussi ces produits-là, ça t'aide à te remonter. Donc, le Future Life est déjà commercialisé au Canada? Oh, pas encore complètement. C'est parce que tu vois les pays comme le Canada, les États-Unis, ils vont chercher les choses qui sont sur le marché international et puis faire des recherches dessus pour les valoriser
et puis pour voir qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur le marché okay. international pour offrir au pays. Et pour qui ça fait ça, c'est parce que le gouvernement canadien paye pour la santé des gens. Oui. Les gens copaient, ça veut dire que moi je paie de mon salaire une partie et le gouvernement paie de l'autre partie. Et quand je prends ma retraite, j'ai fini de travailler, mes assurances de santé sont gratuites. Alors, le gouvernement canadien est responsable de ma santé, des frais de ma santé, et comme de raison fait des recherches pour s'assurer que je suis au courant des choses qui sont bonnes pour moi. Oui. Et même m'envoie des emails à tous les Canadiens, à tous les emails pour dire que, écoutez, voici ci, voici ça, et ils font des annonces à la radio et à la télévision à propos des choses de santé pour qu'on soit informé. C'est parce que la facture de ma santé, c'est dans leurs mains, comprends-tu? En Haïti, on n'a pas ça. La facture santé, nous, c'est l'homme pas nous lié, c'est problème pas nous. Oui, donc alors c'est nous-mêmes qui pour défendre occuper nous. Pour chercher qu'on est qui ça bon pour nous, qui ça nous capable d'offrir pour nous. Voilà. Les amis téléspectateurs, après rappelons que vous suivez Eduform, votre émission d'éducation et de formation avec Mme Oulène Constant et moi-même, Jean-Laïne Spierre. On va observer une toute courte pause. On vous revient sous peu. It all comes down to this. The Olympic Stadium is absolutely packed tonight for this very important race. So much intense preparation by these athletes. And here come the swimmers now. There's the American. He seems unstoppable. And here comes the South African Chad Leclerc. It's unbelievable. Leclerc is going to touch. He's taken gold. Chad! Unbelievable. Well done, Boyke. Well done, boy. Unbelievable. Future Life. The new choice of champions. Unbelievable. Mama Nounou, Papa Chéri, va nous manger, manger pays. Mama Nounou, Papa Chéri, nous voulons manger, manger pays. Lundi, ça nous voulait. Maïs à quoi, bonjour légumes. Mardi, ça nous voulait. Mayon, patate, l'agneau, la sauce. Mercredi, ça nous voulait. Midi, dix fois, vous voyez. Jeudi, ça nous voulait. Don, 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 don. Vendredi, ça nous voulait. Aïe, non, poisson, à sa boca. Samedi, ça nous voulait. Bouillon, tête, la vie, qui est poignée, ton boyaka. Et dimanche? Tire, paye, quoi, paye, poule, paye, pendant que j'en oué. Grand monde d'accord? Oui. Même petit monde d'accord? Oui. Planté d'accord? Oui. L'État d'accord? Oui. Haïti campé, ouais. Fidèle ami téléspectateur, chers internautes, nous comptons retourner à la CAO après coup de pause ça pour que nous continuions avec espace de débat, de dialogue, de proposition d'une meilleure façon de concevoir notre vie comme monde. Nous allons continuer avec se prendre en main, mais nous allons continuer avec les 12 points de révision sur la force de l'impact de la loi de l'amour sur notre vie que Mme Constant toujours prend le soin pour bien proposer nous dans la deuxième partie émission. Donc, ou même avec moi, nous allons suivre Mme Oulène bien. Et ceci, je vous conseillerais de lui prêter l'oreille parce que ça y a bon pour nous pour que vraiment nous ayons des mots touchants qui arrivent dans la tête nous pour permettre que nous refait la vie nous comme monde. Madame Constant, les points de révision sur la force de l'impact de la loi de l'amour sur notre vie. Alors là, nous t'es touché dans deux dernières émissions yo, et révision de thèmes que nous t'es traité pendant tout le mois de février okay. et peut-être début de mars là tout. Alors ça arrive là, nous allons continuer avec la révision hein, qui gagne trois points. Alors c'est les trois derniers points de révision sur la force de l'amour. Alors la force de l'amour, c'est que lors où l'on a une situation positive, c'est une situation de remède. Okay. Lors d'une situation positive, une situation de remède, généralement, le ton de la voix est différent. La façon qu'on demande un service à l'autre est différent. Oh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer et chaudier ça? Et s'il vous plaît, bon, mon petit de l'eau. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aider ma travail ça? C'est pas comme ça. Oh, là, tout ça, travail, on peut aider. Non, ça, ouais, énergie, ça. Qui produit phrase ça, puis sentiment et pensée à, j'en pensée à exprimer une série de sentiments et de sentiments derrière avec une série d'énergie qui permettent que ça ordi a une autre couleur,
ou l'autre énergie, ou l'autre dimension. Mais par contre, là où l'espace remet, où l'espace amour, là, mon nom va dire, s'il vous plaît, fais ça pour moi. Gardez moun qui comme gade ou yo vini, yo vini, s'il vous plaît, est-ce qu'on a fait ça pour moi? Non. Alors, c'est mater la mater ou mauvais sentiment pendant que c'est l'ambivalent, bouche li a dit une parole et puis cœur a dit une autre, mais de là il y a une mauvaise transpiration parce que ou senti énergie a pas complètement positif. Maman, ma papa m'a toujours dit de la bouche coule le cœur. Le cœur est une nourriture, est un encadrement, est un support, est un rayon de soleil, est un grain de sel, est une beauté. Mais aussi, ça c'est un cœur aimant, un cœur positif, un cœur qui veut avancer et qui veut s'améliorer et améliorer sa communauté. Papa m'a toujours dit, nous tous, que c'est pas possible d'être bien quand le village n'est pas bien. La même chose. Ou c'est pas possible pour vivre la positivité si autour de vous, c'est négativité qui travaille et pour ou permettre corps à tremper la vie bagaille ça. C'est pas possible pour vous même ou négativité à passer autour de vous et puis ou même ou tolérer ou faire comme si vous pas comprendre et puis vous n'a continuer faire mauvaise activité li, c'est pas possible pour vous pour kember un état positif dans un environnement aussi négatif. Et li pas bon non plus pour faire c'est vivre et laisser vivre, mais quand même quand le négatif arrive, quand quelque chose qui ne va pas, quand quelque chose qui ne fait pas va. Ou pas qu'à GPT, ou pas qu'à un GPT et puis l'autre dit on parle là-dedans. Il faut être un vrai citoyen où tu prends le courage de dire ceci n'est pas correct après beaucoup d'examinations. C'est, il faut avoir le courage pour utiliser les forces nécessaires pour qu'une personne comprenne que ceci n'est pas correct. Ça, c'est faire du bien à toi, faire du bien à la communauté autour et faire du bien à cette personne qui pense que le négatif, c'est ce qu'il doit ou elle doit prôner. Alors, quand on parle de bonnes choses dans la journée, sais-tu quoi? On fait des bonnes choses dans la journée. Quand on parle de ce qu'on aime, on fait ce qu'on aime et on aime faire ce qu'on fait. Et c'est à ce point-là, il y a des gens que ils ont tellement aimé travail à faire, ils n'ont pas senti y a travail, parce que ils ont dit, m'bral le travail, mais leur travail, ils n'ont pas booké, parce que leur travail, c'est comme si c'est jouer. C'est, y a travail, ils n'ont pas dormi, non, comme ils n'ont pas vint flâner, vint toucher, non. C'est monde vraiment qui a travail. Je parle de, mettons, de certains enseignants qui travaillent très dur avec les enfants, qui ont une situation extrêmement difficile, mais moun nan li remè enseignement, li remè mission, li senti li gen dévotion pour ça la faire. Li fait la de tout cœur, li fait la avec amour. L'arrivé la kali, la vie continue parce que oui, c'est vrai, la personne a travaillé, mais la personne a travaillé avec amour, la personne ne s'est pas sentie épuisé. En anglais, on dit juice out. Ça veut dire que vous prenez la pesée, le retirer tout jus là-dedans. Quand vous avez tellement pas aimé travail, c'est sensation ça, comme si vous avez été pesé, vous mettez tout jus de vous. Lorsque vous aimez travail, vous aimez ça, vous faites, vous aimez les gens autour de vous, vous jouez une positivité dans tout ça, vous faites. Eh bien, l'eau dans le travail, ou une réénergie, c'est comme t'as dit, ou ton batterie qui était faible, ou toujours plogué, ou toujours après énergie. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il faut parler de bonnes choses dans la journée. Parle de ce que tu aimes. Et de cette façon, tu vas attirer à toi ce que tu aimes. Tout ça va venir vers toi. Ça, c'est le point numéro 10. Le point numéro 11. Tu as une habileté suprême de penser et de parler au sujet de ce que tu aimes. Si ça vient dans la tête ou à ces négativités, à ces débats, à ces manques, ça veut dire que vous avez un jardin négatif dans la tête ou dans le cœur, que c'est ça seulement vous avez fait. Ça veut dire que même là, vous avez prié pour méchants. Même là, vous avez chanté contre méchants. Même là, après les Jésus contre méchants. Là, positif, vous avez prié, bon Dieu, pour aider les gens qui sont autour de vous. Ou la prière bon Dieu pour l'aider ou pour meilleure personne pour qu'assembler plus à l'image lui. Ou la prière bon Dieu pour l'aider ou pour voir côté bon bien qu'on a fait. Ou la prière bon Dieu pour Simon vienne sous chemin pour l'aider ou l'ensemble à gérer. Ou bien pour même pour Simon pour l'autre pour aider le porter quoi par là sous chemin par là. Parce que nous chaque
gon chemin de calvaire que n'a fait. Nous chaque gon quoi que n'a poté. Nous chaque tombé sous le chemin de notre calvaire. Mais c'est la façon qu'on remonte qu'on travaille. Alors c'est avec de l'amour que nous ca lever chaque fois nous tomber dans la vie. C'est avec de l'amour que nous ca aimer positif de façon nous tomber moins. Alors chacun de nous a une habileté suprême de penser et de parler au sujet de ce que tu aimes, de ce que tu fais qui est positif. Tu as aussi une habileté d'attirer et d'emmener à toi tout ce qui est bon et tout ce qui est positif dans la vie. Comme ça, tu vas avoir une vie positive. Ça veut dire que quand tu as 63 ans, quand tu as 65 ans, ou pas être jeune comme si tu as 48 ans. L'autre dit que tu as 60 ans, pour qu'ils soient bâtis sous l'âge. Parce qu'en Haïti, c'est le contraire. Mm-hmm. Dit, yo jeune tant qu'on t'y boule, tandis que yo rec tant qu'on t'y va foutu d'où. Alors, ce qui aussi, ça te garde jeune, ça te garde en santé, ça te garde dans une énergie, ça te donne un enthousiasme qui est sans fin. Tu es capable de te réénergiser continuellement. Par contre, si moi, ça, c'est un mot français, même si c'est un mot anglais que je traduis là, ça veut dire que vous pouvez ploguer corps pour avoir encore plus d'énergie tout le temps. Ça veut dire que l'aimer, remet, c'est parce que c'est ou remet parce que quand ou remet, quand on va fonctionner l'en remet, l'en dossier remet, l'en cadre remet, ou utiliser plus grand force que l'univers a gagné, qui force de l'attraction, qui force de l'amour. Là. Et l'on travaille ou vivre à partir de force ça, ou une façon qu'on marche qui est différent. Ou pas traîner parce que on koto pour aller parce que on bagaille qu'on pour aller régler on bagaille qu'on pour aller gérer pas pour tête tout ou on gérer on bagaille pour monde l'autre fois fonctionner l'en remet c'est là où ouais ou vinn content parce que ou rend le monde heureux c'est le moment qu'on est capable d'être content et d'être heureux à cause du bonheur qu'on cause aux autres là on a atteint un point de remet que qu'il y a là nous même la société sud là la société haïtienne nous pral vinn gon l'autre dimension nous pral gon plus bagay qui vini à nous nous on réfléchit comment nous fonctionne excusez-moi comment nous fonctionner la haïti nous ouais ça pas bon nous ouais ça n'pa gagner ou dit qui joye on pas moi travail on son vient un petit job bay qui parti rien qu'on va faire. Mais si tout ça va exprimer de vie ou pas rien. Oh même c'est misère c'est qui on dit l'homme misérable non pas misérable non c'est malheureux oui c'est malheureux moi hier on parle avec tant que malheureux et maximum la caillou l'on peut parler comme ça ou ouais tête tout dans une dimension qui est complètement négatif, restreint, limité en cage. Tant qu'on a nous d'adou en cage, et puis c'est barreau, n'a pas ajouté en cage ça. Voilà. Mais si par contre, moi, contre mon monde, je dis, oh, à part moi, la ville, là, ce que j'en ai, bien, très bien, en fait, je me sens fantastique. Ces jours-ci, je peux manger tous les jours, en fait, je peux manger trois fois par jour. Oh, on va dire, on va te manger avant. Non, on va te parler de ça. Mais ma dire qu'il y a grâce que je gagne, c'est que je peux manger trois fois par jour. Et puis, je peux produire un rêve que je gagne tout le temps. Un programme de télévision, je peux payer pour lui. Et pas comme si je n'avais pas l'argent même. Mais c'est que ça vient sous moi, je peux gérer. En même temps, tout. Compagnon dit, Madame Pachelet, c'est le temps pour nous de vous payer parce que pour tout service que Mbayo, Baralo a marché, me dit non, je n'accepte pas un salaire. Parce que le jour où mon salaire, c'est le peuple haïtien à toucher tout. Je ne peux pas toucher avant. Parce que même si je travaille avant pour me toucher, et ce n'est pas tout le monde qui pourra le joindre, parce que dans pile le monde pourra le joindre, surtout les fermiers. Aïe, aïe, aïe. Moi, je compte en pile. Parce que l'homme à l'endeuil, il est toujours à l'endeuil. L'homme haïtien, pareil, moi, avec les hôtels, il plein chauffeur, à marcher dans la boue et tout ça. Ça fait la peine. Ça fait la peine tout, l'on peut dire qu'il n'y a pas payer pour petit li. Ça fait la peine. Alors moi, je voulais faire changement ça. Alors ça m'a dit nous, c'est que ça va être pour les fermiers. Alors l'important, c'est que nous parlons positif de ça que fait. Alors moi-même, je me suis dit, l'homme me dit qu'il y a senti mieux
avant me pas j'aime dire que me pas bon parce que si me t'ai parlé de ça bon Dieu pas ta femme bien jodi a pas quitté me la mal là. Juste fait éloge du temps présent. Du temps présent, ça l'éloge de tous les petits bons qui arrivent autour de nous. D'accord madame. Entre autres m'a dit là, me joigne un marchand qui vend pistache. Alors en haut il dit il y une qui dit la vie m'a cherché, la vie m'a cherché, fantastique, positivité. Gon l'autre qui dit et c'est malheureux qui ça malheureux qui ça malheureux pas brutal bon, peut-être pas dire ça dit là bag de malheureux me dit pauvre madame ça il pas jamais vienne bien heureux oui, parce que c'est des points de vue malheureux à la pureté oui, voilà donc lui ouais lui même en dans un univers de pauvreté lui ouais lui même comme étant un éternel malheureux donc pas oublier que ou construit propre univers ou même et avec Pierre que ou construit univers ou c'est avec Pierre ça l'a construit. Donc si ou est la vie avec négativité absolue, donc tu vivras oui. éternellement de manière négative. C'est pour même ça que piégé. Voilà. Même gentou, si ou est vie avec un œil qui est positif, ou carrément bon Dieu a metté sous chemin abondance plus d'opportunités pour construire toi. Pour construire un univers de positivité. Je dis encore nous t'es vraiment content rentrer la caillou pour nous t'époter l'autre numéro et du form ça émission d'éducation et de formation ça qui joint support Future Life que madame Constance ou parler en pile de lila peut-être dans jour cap venir nous pas connait qui joue ça mais c'est très prochainement ça me sûr que bon Dieu pourra le mettre dans sud pays d'Haïti qui pourra venir en support ou à me gonfler des mêmes qui pourra venir supporter fermier yo surtout moun sa yo qui fait culture de céréales moun qui planté maïs moun qui planté pitimi comme c'est ça jusqu'à maintenant alors n'a prié bon Dieu c'est ça oui n'a prié bon Dieu pour voir plus grâce sur moun sa yo qui gen projet ça en tête et puis nous même tout qui prend initiative ça pour présenter émission ça avec support de Future Life faut qu'on prie tout pour rêve ça aller atterrir parce que ce sera pour le bien de la République. Madame Constant, quel serait votre dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui? Moi je dis union de prière et union d'amour et puis union tout laisser faire et de façon pour chercher ta paix et chercher ta positivité et là nous voyons un bagage qui pas bien la société a numéro la police là c'est 38 03 33 33 relayo yo là pour aider nous parce que c'est avec jeune avec cœur que n'a fait société a une meilleure société. Voilà. Merci beaucoup amis téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi chers internautes. N'a bon rendez-vous pour l'autre numéro et du forum. Nous sommes vraiment contents d'entrer la caillou. Nous espérons que ou pral prend tout conseil nous sur ba ou la yo ou fait de yo un bouquet de positivité pour mettre l'enfant cœur. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Now well, now we. It all comes down to this. The Olympic Stadium is absolutely packed tonight for this very important race. So much intense preparation by these athletes. And here come the swimmers now. There's the American. He seems unstoppable. And here comes the South African Chad Leclerc. It's unbelievable. Leclerc is going to touch. He's taken gold. Chad! Unbelievable! Don't break you out, boy. Future Life, the new choice of champions. Unbelievable! Mama Doudou, Papa Chéri, va nous manger, manger pays. Mama Doudou, Papa Chéri, nous voulons manger, manger pays. Lundi, ça nous voulait. Maïs à quoi, bonjour, légumes. Mardi, ça nous voulait. Mercredi, ça nous vle. Jeudi, ça nous vle. Vendredi, ça nous vle. Samedi, ça nous vle. Et dimanche. Grand monde d'accord? Oui. Même petit monde d'accord? Oui. Planté d'accord? Oui. L'État d'accord? Oui. Haïti campé, oui.